en a entendu beaucoup parler de la Les pompiers et les policiers de la Sûreté du Québec seront présents pour assurer la surveillance dans les rues de 16h à 19h le samedi 31 octobre. À moins qu'une intervention s'avère nécessaire, ils vont cependant demeurer dans leur véhicule et ne distribueront pas de bonbons. De la même manière, nous avons demandé à nos corporations de loisirs d'être créatives pour éviter les activités qui impliquent des rassemblements et des déplacements. Le mot d'ordre, c'est la prudence. Il faut penser à des activités virtuelles comme des concours de photos, de décorations ou de costumes d'Halloween. Les enfants devront circuler uniquement en compagnie des membres de leur maisonnée. Ils devront rester à 2 mètres des occupants des maisons visitées et surtout ne pas y entrer. Évidemment, les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui sont en isolement ne doivent pas participer. Le circuit de collecte de bonbons devra se limiter au quartier des participants. Les personnes qui passent l'Halloween devront respecter les distances de 2 mètres, porter un couvre-visage et s'abstenir de chanter ou de crier à proximité d'autres personnes. Finalement, le lavage des mains est recommandé avant le départ et au retour à la maison.